Salut à tous, c'est le Grand Enfant. On se retrouve pour une petite reprise de machination en plein milieu d'après-midi. Donc, c'est le saut du bombe. Alors, on est à 16980, ça joue contre les volets bas selon les différents jeux. Je vais pas me lancer à jouer en mise maxi, mais quand même, 102,50, on va faire un entre-deux. Pas mal. Bon, la bonne question actuelle, est-ce que on va voir la version du jeu qui paye ou la version qui bouffe? Bon, ça, c'est l'éternelle question avec les machines à sous. C'est alors chance du débutant ou pas? Ça marche pas tous les coups. Enfin, entre la version de la machine à sous qui paye et celle qui paye pas, il n'y a pas 50% de chance. Et on dira plutôt que sur le long terme, c'est plutôt une chance sur 3 pour le joueur de gagner, 2 chances pour le casino. Deux reprises. J'étais quand même monté à 30 000 balles avec le jeu de jump. Bon, donc là, c'est coup de hache dans la balance, on a 15 000. C'est bien beau les machines à sous, vouloir gagner plus, c'est souvent l'effet inverse. Hasardeuse. Malheureusement, pas de retour sur la montante. Allez, dans la foulée en rotante, on sait jamais. Enfin, bien sûr, il y a peu de probabilité pour que il y ait du gros win à la clé. Le numéro 3 serait bien si se manifestait maintenant. Bon, ben, rip de 3000 balles à balance pour le moment, un petit peu plus. Alors, on attend la remontée, mais avec les machinations, on n'est jamais garanti, enfin, on n'est jamais sûr de se taper un joli win. Sur plusieurs lignes, ça va nous flasher quand même un petit big win sympa. 350. Allez, re, second big win, 1500, tant mieux. On remonte à 15700, on avait commencé à 16900 quand même. Avantage slot machine pour le moment. Ah, Red Rouleau le troisième qui est pas là. Ouais, ça m'aurait arrangé si c'est sorti.
1, roule 3, non, roule 4, roule 4, non, triple que dalle, et triple que dalle. Faudrait quand même pas trop que ça dégringole de ce côté-là au niveau de la balance. Bon courage, parce qu'avec les mises à 60 balles, si le jeu continue à payer que dalle, ça va vite partir dans la loose. Pas passer en dessous de la barre des 10 000, quoique on dirait que ouais, ça continue comme ça va être vite réglé. Les 3 scatters, les 3 scatters serait bien s'ils se manifestaient, s'ils tardaient pas trop. Ouais, de toute façon, ce genre de jeu, des fois il paye que dalle, des fois il paye un gros win, des fois il paye plusieurs wins d'affilée. Des fois on se tape un gros win, tiens, bah, stream est d'arrêter car le jeu il a payé, mais des fois il paye encore non-stop, des fois il paye rien, enfin c'est en mode imprévisible. En tout cas là c'est en mode on se fait des gommes pour le moment. Allez, le retour d'un win sympa avec des détents. 10 balles tout poil. Bah, sans déconner, on a encore de la marge à récupérer. C'est bien beau parce que si j'aurais dû les mises, ouais, mais si les free games sortent à 25 balles, forcément vont moins payer qu'à 52,50, donc c'est un peu le piège de commencer avec d'autres mises. J'aurais dû avoir les mises par la suite quand ça perd, et par la suite si le bonus sort, bah il paye moins. Ben sans déconner, en tout cas il n'y a pas longtemps j'ai eu la chance du débutant, c'est à dire les free games d'entrée, mais là je crois que c'est la malchance du joueur régulier. Alors, chiotte de bordel, chiotte de bordel, chiotte tout court, on tire la chasse. Alors, tant mieux, ça renfloue un petit peu, pas énorme. C'est sûr que j'aimerais bien que, avant de passer en dessous de la barre des 10 000, que j'ai balancé les free games du big win, mais ça bien sûr, c'est malheureusement pas moi qui décide. Par nous prendre des free games. Parce que là c'est un truc à s'enflammer, tiens, ben, je vais rester non-stop pour le 1250 jusqu'à 0, puis s'il faut elle sort jamais. Alors le rat va-t-il se montrer? Le petit rat il s'est pas montré. De toute façon, même si les free games sortent, ouais, j'avais commencé à 16 009. C'est pas garanti que ça paierait 5 6 000 balles. 5 6
1000 balles serait proche du x100 par rapport à la mise. Le x100, c'est le bon courage. Voilà. Cerise, c'est pas un vrai symbole, mais 2500 balles, eh ouais. Sur plusieurs lignes, bah tant mieux. Bon, déjà, tant qu'on dégringole pas en dessous de la barre des 10 000, c'est déjà ça. Parce que là, passer en dessous des 10 000, rester sur des mises à 60 balles, pas très confiant quand même. Alors, chiotte, est-ce qu'il va nous prendre des scatters? Généralement, ça sort en plus ou moins d'une minute de partie. Bon, des fois, ça sort jamais. Alors, des fois, ça sort au bout de 30 secondes aussi. Bon, ça, c'est pas tout le temps. Il n'y a rien à faire. Je sais pas où ils sont. Générateur de symbole aléatoire, il veut pas nous les sélectionner. Sans déconner, j'ai l'impression que le jeu il va arriver à me faire passer en dessous de la barre des 10 000. Va-t-il? Non. Eh ben le troisième on l'attend avec impatience, mais pas moyen. Alors, parce que là on va passer en dessous de la barre des 10 000, bordel, non on ne l'a pas sorti. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen. Bon, je me rends, 9962. Ouais, pas de spin en plus, je lâche l'affaire, enfin la chasse au free game, terminée. Je me rends, pas moyen.